Pendant plus de 30 ans, Catherine Laborde a été présente dans la vie des Français. Mais en 2017, la présentatrice de la météo sur TF1 annonce qu'elle quitte son poste. En effet, atteinte de la maladie de Parkinson, elle doit désormais penser à sa santé. Dans une interview qu'elle a eue avec Paris Match en 2020, elle expliquait ses symptômes. Elle disait, je cite, « La fatigue, les gestes pas coordonnés, les chutes. Je trébuche au moins une fois par jour. Mais ce n'est pas seulement le corps qui se défait petit à petit. J'ai l'impression d'être beaucoup plus émotif qu'avant. Ça m'est difficile de sortir dans la rue. J'ai peur de tout. Il y a tellement de choses que je m'interdis de faire, d'abord par crainte de ne pas y arriver. » Désormais très discrète, Catherine Laborde peut compter sur sa sœur, Françoise, pour être à ses côtés, mais aussi pour donner un peu de ses nouvelles. Ainsi, ce dimanche 8 mai, à l'occasion de son 71e anniversaire, elle a partagé un cliché touchant de l'ancienne présentatrice météo. L'occasion pour l'ancienne rédactrice en chef de TF1 de faire une jolie déclaration d'amour à sa sœur. Elle dira, je cite, « Joyeux anniversaire ma Catherine. Profite toujours de la vie et sache que personne ne t'oublie. Tu es toujours souriante, toujours courageuse, et ils sont nombreux à me dire tous les jours à quel point ils t'aiment et ils pensent à toi. Mille baisers. » Sur le cliché publié, on peut voir ainsi Catherine Laborde en train de lire le journal Le Monde, un joli sourire aux lèvres. Une photo touchante pour celle qui doit désormais vivre avec cette maladie au quotidien. Désormais installée sur l'île Dieu, Catherine Laborde doit se concentrer sur sa santé, et sa sœur y veille au grain.